Bonsoir Twitch. J'aime bien comme un fort. Ouais. Ouais, c'est mieux. Un célèbre explorateur a dit un jour « Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. » J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves, pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvé. Instants les plus sombres. Quand votre vie vous abandonne. Pourquoi il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. C'est parti. Thank you.
Il faut que je me libère. Je peux pas mourir comme ça. Ça va faire mal. Je me suis rendu compte. Tu peux aller faire un tour parce que là, tu forces de te moquer de moi. Allez, au revoir. Bonsoir. Vas-y, bonjour à toi de sur le live. Mettre quoi? Il a dû m'entendre. Hein? C'est pas vrai. Bonsoir Jean-René.
Putain, j'ai même pas vu, j'étais pas sur... Salut mon Cal, comment tu vas? Non, tu n'es pas Caladriel. Ah, bonjour madame Cal. Bonsoir. Comment elle va? Ça va bien, merci. Non, j'ai mis à la sieste avec les petits. Hein. Ah, vous disiez. Ah, mais c'est pas vrai, allez. Bonjour, ça va et toi? Ah, c'est ton moi. Là, c'est moi. Regarde le live. Regarde le live. Elle est très belle. Mm. Belle fille, très gentille. Mm. Une madame gentille. Madame Galadriel. Oui, la voix, monsieur le live. D'accord. C'est vraiment grand, c'est en fait, non, mais non, c'est aujourd'hui, gamin. On verra, il y a plein. Non, je sais pas. L'anniversaire, c'est l'école. Hein. C'est pas le bol, t'es né quand t'es né. Toi, t'es né pour la rentrée de l'école, c'est con. Hein. On verra au mois d'août. Thank you.
fous la tête. Moi. Attendant, la chef arrive. Ah bah va pas tarder, je pense à chef. J'ai mon volant, je vais pas passer les vitesses. Ah, la nounours il va arriver normalement. Il est parti. Non, il est disconnecté là. Attends, la dame elle parle pas. Ah mais la dame elle parle pas, elle joue, c'est bien. Des fois elle n'a pas besoin de parler pour jouer. Je suis pas forcément super à l'aise déjà. Elle se concentre, et... c'est déjà bien. Ouais. Ah mais je l'ai celui-là, mais j'ai déjà le dernier qui est sorti. J'ai pas mal, j'ai fait en entier. Elle est tranquille. Les Tomb Raider, ils sont bien, j'adore. Oui, je sais, mais faut que j'allume avant. Comme je l'ai déjà mis en haut, je sais plus. Vous êtes manette ou clavier? Manette. Ah, ok. Mieux. Ouais. Merci. C'est un petit peu j'ai bataillé là. Je sais. Salut Jacqueline, ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Coucou chat. Il y a Madame Gala, mais il y a Madame Caladri, elle s'est sortie. Ouais, j'ai envie de faire pareil. Après, je vais à Tomb Raider, mais je vais aussi à Kida, c'est plus. Ah, le cycle, je l'ai fini à fond, celui-là.
Franchement, il est bien fait, il est graphiquement, il est pas mal. Ouais, j'avais joué sur console. Ouais, ah, il est bon sur. Il est bon graphique sur PC aussi. Ouais. Moi, j'ai joué au tout premier Tomb Raider, hein, quand elle est en carré. Hein. Tu sais, comme elle ressemble à des Minecraft. Hein. C'est débile. Quand son Minecraft, j'ai joué avec. Pardon? Une rêve, vous pourriez évoluer parce qu'ils auraient fait du Minecraft. Oui, voilà. Et c'est un jeu qui est un succès. Ouais, franchement. Moi, j'ai pas mal joué avec elle. Ah ouais, mais Cal aussi, Cal il a joué il y a pas longtemps, mais il est tombé en 3 jours. Oui. Il était 3 jours dans le coma, je crois. Il a eu 3 jours pour se remettre. Ouais, oui, il est tombé. Ah, mais quand il sortait des hauts, on voit tout carré. Hein. Le vache carré, le lait carré. Ah, il est fort, c'est bon, il est lui. Hein. Oula, où elle passe pas, une triple remorque, elle passe pas, elle passe pas, elle passe pas. Elle passe. T'as encore embêté Jean-René tout à l'heure? Qui l'a embêté? Ah, encore les petits coups. Ah. On a les autres que ça va faire. Oh, peut-être qu'elle se lave, hein, elle est pas propre. Hein. On est toute crapouillée. Il joue Apex. C'est bon, on joue au camion. À peine connecté, ça y est, on joue au camion. Allez, on joue au camion, allez, c'est parti, mon kiki. Oui, j'aurais mis sur la fin. Attends, on m'attend. Oui, j'ai pas le temps d'arriver, moi. Moi, j'ai pas roulé beaucoup, je Ah non, mon plus pas du tout. J'ai fait 2-3 frais. C'est bon. Je suis en train de faire des nids pour mes fourmis, les construire. Ouais. Ah, j'ai fait une frais de 2006, une frais de 2004, une frais de 2002. Mais pas beaucoup. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Hein. Non. Je suis en train de me faire le nourre pour ça, il me reste encore à aller. J'aurais fini celle-là, il va peut-être rester 500 km pour l'avoir. Ouais. Il va peut-être jouer aujourd'hui. Tu sais que j'ai vomi devant mon écran de PC aujourd'hui. Ah, c'est bien ça, c'est très intéressant comme. Ouais, tu sais pourquoi? Non. J'ai vu Robert Pattinson dans Batman, j'ai fait. C'est vrai? Je te jure. Ouais, on doit pas être très convaincant. Ah bah non, hein. Bah non. Pas du tout. Non, mais... Pas du tout, du tout. Je préfère encore voir Cal avec sa tête chauve faire Batman. Je le verrai mieux en Batman, Cal. Ouais, ça. Ouais, franchement, ça irait beaucoup mieux. Tous les matins, il se lustrerait un peu le dessus. Et hop. Ou un Robin des Bois. Ah, Cal, Robin des Bois, bah ouais. Ah ouais, ça serait pas mal. Ouais. Avec ta petite barbe. Le crâne bien lustré. Ou en moine. Ah, moine. En moine. Ouais, mais tu vois, il faudrait qu'il ait des cheveux au contour, tu vois, à la bol, au bol. Après, ça dépend ce que madame en pense, hein. Cal, elle verrait peut-être Cal avec un bol... Ah, une coupe au bol, je sais pas. Bah, comme c'est un peu chaud, collé sur la tête. Quoi. Oui, c'est faisable, ça donne un genre. Je suis tombé. Aïe. Bon, moi, j'ai rien senti, mais ça fait mal normalement. En tout cas, Cal, lui, quand il joue, il a mal toujours. Ah ouais, on l'entend toujours. Aïe, oui, aïe, c'est quand même moins de fifi, hein.
Alors, ah, il fait mal. Ah ouais, t'as vu, hein. C'est un handi, hein. Oh là là, c'est un handi. Gal, il ressent bien les coups. Hein. Ouais, Gal, il ressent les coups, c'est bizarre. Mais il est un peu chuchote aussi. Hein. Le sac de Sam. Y'a pas un titre pour moi, chef? Pardon, j'en ai. Un titre, je veux changer de titre, moi. Changer de titre. Un titre pour quoi? Un live. Mon titre pour live. Je roule avec la chef. Je roule avec la chef. Non, un peu long. Ok, bah, je. C'est concours, je sais. Là, je me suis enregistré un film, faut que je le regarde. C'est 50 nuances de graisse. Hein? Mais si, ça existe vraiment ou non? De quoi? Le film là. Ah, si, si, c'est ça, ça existe. C'est dans une ferme avec des vaches et des porcs. N'importe quoi. Ah, mais ma femme m'a dit. Si le cas 50 nuances de graisse, ça te fera pas. Bah non. J'ai mis deux heures, je crois en plus. C'est vraiment débile, franchement, je sais pas comment on peut aimer ça. Enfin, moi, c'est mon avis à moi. Hein. Ah, je sais pas, j'ai jamais vu ces films-là, puis je regarde pas. Ma femme, elle a regardé. Moi, j'ai commencé à regarder une demi-heure, je me suis dit, mais c'est quoi ce navet? Ah ouais? Ouais, vraiment. Vraiment. Enfin. Pour ma part, hein, c'est vraiment mieux le chien comme ça. Bah, je connais pas. Et il y en a eu 3 en plus. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. J'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. Ah, j'ai toujours pas compris l'histoire, moi, alors, tu vois, je peux te dire. Hein. C'est un peu sa sorte de sadomasochisme, un truc comme ça, non? Ouais, mais c'est nul, c'est ouais, rien, je jure, c'est. Les dialogues sont nuls, enfin, c'est pas du tout recherché comme truc. À Paris, pas chef. Savoir, hein. Ils ont sorti des livres en plus avec ça. Ah, c'est pour tout public, je veux dire. Enfin, j'ai... enfin on se comprend. On se retrouve. Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez, répondez. Non, je comprends pas le succès qu'il a eu ce film, franchement je comprends. Bah, en plus elle a eu des livres, ma femme elle a acheté les livres aussi je crois. Ah les. Ouais. Ma femme a été, elle regarde les livres, elle dit ouais mais ça c'est pas dans le film, ça c'est doit pas être là, ça doit ça pas être là, ça doit pas être. Je dis, bah écoute, hein. Là, le dernier toujours truc mieux qu'elle a dans lu, les c'est... bouquins. Hein. Là ce qu'elle a lu, le dernier truc qu'elle a lu, c'est le dernier Harry Potter. Et bien. Ah, je sais pas, moi j'ai une tête à lire. Non, c'est vrai que t'as une tête à lire. Non, mais ouais. Bon, était Harry Potter, c'est avec le fils d'Harry Potter et le fils de Drago Malfoy. Assez complexe. Ouais. Elle m'a dit, en plus, elle m'a dit, il sort que le film en 2023. Moi, j'irai pour le film, j'irai voir le film alors. On va à Paris. Moi, lire, ah, t'es fou, je prends la tête aussi, je dis. Je peux taper un gros mal de crâne. Oh, je me suis trompé rouge, non? Ah non. J'ai une triple remorque, c'est marrant pour des petits troutins. Et voici la future référence mondiale de l'archéologie, Lara Croft, dans son habitat naturel. Elle est à la recherche du royaume perdu du Yamatai, sur les traces de Himiko. La mythique reine solaire, une de mes ancêtres sans doute. Moi j'ai adoré Angelina Jolie quand elle a joué. Sam, c'est sérieux là. Mais je sais, ma belle. J'essaie juste de détendre un peu l'atmosphère. Tout le monde est tellement à cran. Dis-moi ce qui te préoccupe. Je tiens quelque chose. J'en suis persuadée. D'accord. Mais je sais pas si les autres m'écouteront. Arrête aussi, il faut qu'ils m'écoutent. Lara, personne ne connaît ce sujet aussi bien que toi. Sérieusement, je dis pas ça juste pour te rassurer. Je te fais confiance. Et Ross aussi. Ça va aller. Allez, c'est le moment de faire une pause. Faut se détendre. D'accord. Tu sais pourquoi j'ai fait les kilomètres aujourd'hui? Eh, Sam. Merci. Mais pas.
Elle n'est pas toujours aussi sérieuse. Mais vas-y, rattrape-le ! Non, non, mais c'est ta chance, là ! Mais comment pouvez-vous insinuer que je ne prends pas cette expédition au sérieux, Lara ? Il n'y a pas que la famille de Sam, moi aussi je finance ce projet. Les scènes avec elle, que j'ai nous pas jouons tous la fin gros dans cette histoire, même pas. Et on savait que ce ne serait pas une promenade. C'est précisément pour ça qu'on doit aller vers l'Est, ouais, pas vers même pas les scènes. Rien ne laisse croire que le Yamatai soit autant à l'Est. Tous les ouvrages de référence disent le contraire. Cela dit, leurs auteurs n'ont jamais trouvé le Yamatai. J'en ai déjà parlé avec Ross. Ah bah je commence ça, je vais pouvoir savoir comment ça se fait que ce bateau ici échoue. Dr. Whitman. Ne comptez pas sur moi pour jouer ma réputation sur une de vos lubies. C'est moi seul qui dirige cette expédition. Depuis quand vous n'êtes pas allé sur le terrain sans caméra derrière? Je vais savoir comment il s'est échoué le bateau. J'ai 30 ans d'expérience, 2 doctorats, dont un en histoire de l'Extrême-Orient. Alors occupez-vous plutôt de votre bateau. Navire, Dr. Whitman. C'est un navire. Pas besoin d'un doctorat pour savoir ça. Écoutez, faire cap vers l'Est nous mènera directement dans le Triangle du Dragon. C'est là où nous devons aller. Lara, ma petite Kai. Pardon? Tu sais bien que je serais prêt à suivre n'importe où, mais j'aime pas cet endroit. Ces tempêtes feraient passer le Triangle des Bermudes pour Disneyland. Bien fait. Un peu pour moi. Certains récits racontent que la reine Miniko pouvait invoquer des tempêtes. Les mythes sont souvent des déformations de la réalité. Et si le Yamatai se trouvait à l'intérieur du Triangle? Tenez, voilà une image satellite montrant l'intérieur du Triangle du Dragon. Ça ne donne pas envie. Tant qu'il y a de l'eau, je peux vous y amener. Oh, ne me dites pas que vous êtes ça sérieux. Reyes a raison, on n'a pas les moyens de tergiverser. C'est maintenant ou jamais. Lara a le mérite d'avoir des idées et une carte. C'est moi le capitaine, c'est moi qui décide. On va aller dans le Triangle du Dragon. Comme bon vous semble. T'es sur la promode, hein, Florine. Non, il a dit pas promode, Yannick. Pas promode. Hier, il a craché son PC avec la promo de l'Italie. Deux fois en plus. Oui, papa, cherche pas l'embrouille, toi. Appelle téléphone. Tu peux pas rester là. Rien. Canard. Ouais. C'est tapé en plus. Vous voir quoi? Un titre. Pas entendu, j'ai pas compris. C'est lui un titre en privé. Un titre? Ah, ouais. Je sais pas écrit un titre. Je roule avec la chef de la TDA et recrute, faites quoi? Ouais, vas-y. Mais faut que je m'arrête, puis faut que je te dis quoi, faut que je fasse la route en Windows. Marqué 1-1 en privé. Attends, je vais te l'écrire en privé. Marque-le en privé, ouais, le texte. Je veux pas, Marc, tu roules avec le chef. Hello, hello. Ah, Kenna, le chef, attends, il y a le message en privé. Oui, attends. C'est pas censé à Manu. Elle passe plus à part avec Christian, hein. Avec l'autre. Attends. Oui, c'est... Oh, le live. Voilà, je t'ai envoyé le message aujourd'hui. Ah, parce que... Attends. Lequel? T'en as plusieurs? Ouais, le deuxième. Attends, je vais t'en l'envoyer dans le deuxième. Attends. Je l'envoie dans le deuxième. Ok. Un champ à faire, un Windows. Un PC à quoi à prendre? Je peux pas chasser à main nue. Il faut que je trouve une arme. Allô, allô, allô. Tu vois, Kenna, tu verrais bien faire comme Tomb Raider. Ouais, je peux. Dans la forêt, ouais. En train de chercher des fourmis. Ah Kenna, je pense qu'on va... Tu vas te mettre à faire des lives. Et tu vas faire comme celle de hier soir. Comment ça? Bah chez vous, la fête qu'on a regardé, qu'on écoutait hier. Ah ouais. On parlait tout et rien. Attends, ça va pas, non?
Non, mais tu feras pas le décolleté. Toi, tu mettras des fourmis sur toi. Comme ça, ils verront. Oh, elle a des fourmis, on va rester plus longtemps. Je sais pas chasser à main nue. Moi, je suis bien endormi. Au fait, je suis monté, je me suis endormi direct. Non, mais là, ça me dit qu'il faut pas chasser à main nue. Ouais, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu. Merde, c'est sur quel truc, toi? Le tir de live, tout ça. Non, c'est sur le... Tu es sur le simulant, c'est ça? Oui. J'ai ramassé une flèche, mais j'ai ramassé un arc, tout à l'heure. La chef a canaté à nous sous-tester. Un peu rappeler, toi. J'ai même pas acheté mon jeu de Formule 1 aujourd'hui. Non, comment ça se fait? Pour pas me déconcentrer sur mon objectif. Hein? Très bien, j'aurais acheté le jeu de Formule 1 ce matin, je serais dessus, j'aurais même pas pu faire mon objectif. Au mois prochain, on va faire un objectif d'arriver 3ème. Dans le top 3. Une folle. C'est possible, on l'a déjà fait. Hein? Ouais, mais là, ils sont plus d'un million. Pratiquement 1,8 million. Bah, si tout le monde roule, il y a moyen. Hein? J'ai des flèches, mais j'ai pas l'arc. On est quand même 20 dans la team maintenant. Ouais, faut voir. Désolé. Oh, elle s'est tombée, elle s'est fait mal encore. On va voir si ce truc marche encore. Ferme le gif. La condition physique et la technique ne suffisent pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. Oh putain, chef. Je suis trop affaibli. Et franchement, j'ai une triple remorque, elle se manie super bien. Ouais. Parfait. J'ai des remorques pour Cal, ça a plein de remorques derrière lui pour rouler. Si tu veux. T'as pris ça où? Oh, c'est de la vanille. Mais oui, non, mais j'ai... Oh, ça fait ouais. On a trop mis, ma chérie. Ouais, ça sent bon, mais on a beaucoup mis. Il y a pour les frais. Oui. Oui. Oui, j'aime bien. J'ai mis un truc pour un beau là dans la discussion. Ça va, ça? Oh, je vais regarder le sujet. Voilà, on va rien manger ce soir. À clairement. Et t'as assez vite? Et t'as pas? Ben voilà, on mangera pas. Elle l'a loupé, on va pas manger avec un. Mangera des pâtes. Non, je sais pas. Prends une autre. Pourquoi je suis calme, hein? Celle que t'avais fait. À Nobre. Ah non, après de manger, oui, celle-là. Celle-là, c'est bon, tu peux la prendre. Il y a bien du monde, là. Aïe. Ah, si ça y est, on va manger. Ça y est, ouais. Une bonne cuisse.
C'est très bon, ça, avec des carottes et tout. Mmh. Excellent. Non, Jennifer, comment vas-tu? Mais ça va et toi? Ça va bien. Ouais. Oui, parfait. Pas trop chaud? Bah non, j'habite une maison en pierre, donc... Ah, c'est bien, ouais. Pas trop chaud. Il fait 40 degrés d'or, et chez moi, il fait 20 degrés, quoi. Mm. L'été, c'est vraiment parfait. Attends, 40 degrés en Belgique? Tu plaisantes? Non, non, mais là, ah, il fait peur. 40 degrés, hein. Et j'avais 22 degrés dans la maison, hein. Ah ouais, en Belgique, 40 degrés, c'est rare, hein. Ouais. Ben, on va avoir bientôt 35 degrés ici, hein. En deux jours, ils annoncent 35. Ah, jeudi, vendredi, ouais, il va faire très chaud. Hein. Ouais. C'est tout ou rien, hein. Ouais. Aujourd'hui, il y avait soit 22, 23 degrés, et on va avoir 35 degrés dans deux jours. Mm. Ouais, peut-être, ouais. Attends-moi, chef. Tiens, dans le monde, ça fait que 3 jours qu'il fait beau, hein, sinon la semaine dernière, il a plu. Hein. Ouais. J'ai vu, merci. Attends, attends, je vais me mettre sur le côté, mais j'attends de trouver un endroit pour me mettre sur le côté. Il y a du monde. Tu sais pas si ça va si bien. Ouais, c'est ça, c'est bien, quoi. Il a plus encore qu'il est malade. Tu as déjà pris ta remarque, ça? Oui. Ah, ben moi je vais justement la chercher. Hein. À côté de la citerne. Elle a une grosse faim, hein. Oh, regarde ça, lui. Tu vas venir me rejoindre alors, parce que moi je vais prendre ma... Bon, elle est loin, ma fête. Oui, elle vient avec toi. Je me mets sur le côté, je t'attends, ça va? Oui. Ma femme, aujourd'hui, elle m'a fait rire en rentrant du boulot. Elle arrive du boulot, je fais, t'as mis du temps, et c'est une demi-heure de retard. Mais non, mais elle fait, viens, je te montre. Elle ouvre la voiture, elle a acheté tous les meubles de la salle de bain. Peinture. Ah bon? Ouais. Elle fait, et je fais, ouais. Elle fait, je paye cher, combien? 250 balles. Fais, ouais, putain. Comment t'allais te chercher? C'est vas-y. Et après, bah, t'as plus qu'à les monter. Merci, t'es gentil. Je croyais que mon idée est ici. Aïe, l'auto. Elle a acheté ça où? En magasin. Oui, ça, je me doute, mais à quel magasin? C'est But, je crois. Non, pas But. Si, c'est... Non, pas But. L'autre. Merde. Picorama, non, c'est pas ça. Ouais, ça. Nous, on n'a pas de But, on dit. Non, Ikea, il est trop loin. Et puis moi, je veux pas chez Ikea. Ah, j'aime pas non plus, moi. J'aime pas Ikea. Il y a trop de monde. Ouais, en plus, ouais. Les meufs, Ikea, c'est vraiment misérable. Hein. C'est suédois, hein. Comme les femmes, hein, ça. Ça se casse, hein. Quand ils sont chez eux, tu les prends, ça craque. Ah, elle est cassée. C'est vrai que c'est pas cher, mais la qualité des trucs. Ouais. Pour celui qui aime bien changer sa déco régulièrement, bah, il achète. Ouais, il va chez Ikea, ouais, il va chez là où il va là-bas. Hein. Il y en a beaucoup qui rejoignent parce qu'ils n'acceptent plus les liquides chez Ikea, maintenant ils prennent que les chèques. À cause du... que les cartes, je crois. À cause du Covid-19, ils n'ont plus de contact. Je sais pas si c'est vraiment légal, ça. Parce que tu n'as pas le droit de refuser un moyen de paiement. Ouais, mais ici, c'est... Vu la situation actuelle... Ça reprend, ce qui paraît, j'ai entendu, ça commence à... Ils s'inquiètent de nouveau, là. Ben oui, hein, ils ont fait ça partout. Ah, déjà, qu'est-ce qu'ils ont laissé les gens partir en vacances, hein? Mais c'est parce que l'économie va très mal aussi, hein. Ah, mais ça va pas l'arranger, le Covid, s'ils commencent à refermer des bars, ouais, et tout ça. Ouais. Donc, d'un côté ou d'un autre...
Bon, je vais me mettre sur le côté, j'ai un problème avec mon volant. Ouais, vas-y. Il est pas droit, qu'est-ce que c'est? Moi aussi. Toi aussi? Allez, attends, comment? Attends, c'est ça. Ah, moi aussi. Attends, c'est ça. Maintenant, il est droit. Arrête à manquer. Bah, chez nous on dit c'est des foutus de gens. Ouais, moi pas moi. Ouais, qui s'est passé là? Ouais. T'avais pas vu. Je pensais à toi. Qu'est-ce qu'il a fait il y a tout le temps? Regarde, l'autre là, à côté, quoi? Il va te faire pas le jour. Pardon, cher. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, mais je sais pas, mon cœur, je suis trop loin. Ah, c'est quoi que tu regardes? Ah, c'est 50 nuages de grès, c'est rien. Tu comprendras pas à ton âge. C'est quoi que tu regardes? Ah, c'est... C'est quoi que tu regardes? Ah bah tant pis. Tu les vois? Non, ma fille. Enfin, j'ai pas mis les lunettes, je vois. Ah, ça y est, je vois, c'est... Capitaine de l'Endurance. Peut-être chaud, je suis beaucoup. Ross, tu es en vie? Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Comment elle arrive à faire tourner la cuisse de poulet, la cuisse de chevreuil, je comprends pas. C'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. À mon avis, c'est elle qui la tourne. Salut Rainbow. Bisous. Elle fait tourner la cuisse par la pensée. Hein? En fait, t'as eu le petit truc que je t'ai mis? T'es con. Non, mais le mec, je veux pas... Tout ça parce qu'il y a un mec qui a voulu faire ça en faisant le malin, il s'est fait ridiculiser sur le net. Maintenant, il s'arrête plus avec ça. Et je dis, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, faut que je l'emmène à voir, faut que je l'envoie à Rainbow. Si j'avais une piscine, ouais, j'aurais acheté un truc comme ça. Mais une piscine dans un appartement, c'est un peu compliqué. C'est clair. Tu t'en as marre d'avoir une piscine petite comme ça chez ta grand-mère. Ma grand-mère, je connais pas. Enfin, je connais vite fait mes grands-parents, sans plus. Juste pour l'humour décalé que je te l'ai mis. Bon, ça me fait plaisir. Pense à moi. Ah bah oui, ça... Ça roule ou pas ça? Ouais, je suis allé avec celle-là, je fais celle-là et après je suis à 500 km de chez lui. Bientôt. Oh, je vais le manger tout cru, le mangeur de pizza. Eh oh. Ouais, Kana, elle roule sur la Simu avec... Non, non. Sur la Simu? Ça va, comment c'est apprécié la Simu alors? Non, pas du tout. Carrément pour faire plaisir, hein. En réalité, elle y va, puis elle a un fouet derrière, elle se fouette en même temps. Tiens. Nounours, il m'a dit qu'il viendrait pas. Ah, d'accord. Ah bah, on commence à avoir l'habitude. Pas de soucis, hein, je pourrais le gratter, je vais le manger, je vais le défoncer. Il est sur un autre jeu avec un pote à lui. Apparemment. Ça y est, il nous lâche. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un acteur. Ouais. Fred, il va me régulariser, c'est bien. Je suis une ouf, ça.
J'ai mis mon cul. Non. What the fuck. En fait, on te présente Madame Caladriel hein, qui joue. Hein. C'est Madame Caladriel qui joue. C'est pas monsieur. Non, monsieur, il arrivera plus tard. Oh, non. Ah. Et t'as quoi, beau, tu sais, je suis pas dans l'écran, donc j'ai pas calculé tout le coup, moi, j'étais en mode... j'ai bugué, là, sur le coup, j'étais en mode... Disconnected. Non, t'inquiète, il a pas changé de sexe dans la nuit. Hein. Oh, tu sais, on est jamais prudent quoi que ce soit, hein, avec les gars. Merde, moi, je me rouge, je marche arrière dans le... Ah bah, j'ai calé. Ah putain, la route. Ah, il m'a tué. Salut la fille. Papa. Ouais. Et il joue à quoi quand je ne sais pas? Non. Bonne question. Ah, ça, pas du tout. Non, moi je suis. Bah, comme d'habitude, moi je suis toujours sur Dark Souls 2. Ouais, là en ce moment je fais. Enfin, je suis dans un monde de dragons. Bien évidemment, il y a plein de joueurs qui m'envahissent, c'est pour me faire chier. Enculé. C'est pas du tout chiant. Non. À peine. Allez, 2 heures pour une barrière. Il joue à Valorant. Ouais, je vois Laurent. Je vois pas ce que c'est comme jeu, ça. Il est sorti il y a pas longtemps. Un jeu gratuit à la mer. C'est un jeu raté? Oui. Un jeu raté, Lani. Gratuit. Gratuit, vois Laurent, c'est gratuit, t'es sûr? Oui. C'est pas... Je connais même pas, je vois pas. Gratuit. Ouais, mais j'ai pas été encore... Mais il est gratuit sur quel... Quel store? Je sais pas, je suis en train de où, Jean-René? Epic, Steam. Non, Epic, Steam. Blog. Canon d'avant-bras. Je m'appelle Max. Allez. Je suis enseignant. Tu es tout droit? Ah ouais, je suis tout droit, ouais. Je n'ai pas vraiment été formé pour la survie, je le crois. Oh là, oh là. Sam était en train de me parler de la reine solaire. Oui, Nico. Vous pouvez m'en dire plus. Ça m'a intrigué. C'est pas grave, tu fais quoi là? Ah ben voilà, qu'est-ce que je... Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les joueurs sur Dark Souls, mais ils aiment bien envahir les gens. Sans déconner. Ouais, c'est un... ouais, j'aime pas ce genre de jeu. Ah, magicien! C'est un flippé, ça me dit pas.
J'aime pas, c'est un magicien en plus, comme par hasard. Tous les joueurs sont magiciens, tous. Ah, il va se taire, lui. Ah, c'est un genre de... Ça doit être un genre de... comment... Allez. Apex, ça doit être un genre d'Apex pour Fortnite ou un truc comme ça, non? De quoi? Un jeu, c'est un free-to-play, un petit joueur, jeu de tir. Je crois que c'est le petit qui peut. C'est un jeu de tir à la première personne, je pense, jeu, tu sais, genre... Call of Duty, machin comme ça, je pense. Tout ce que j'aime pas, quoi. Il n'y a pas de plateforme. Bruh. Eh ouais, c'est ça le problème quand tu fais de la magie. La fin du Rio Games. Toutes ses compétences dans la magie et rien dans la résistance. Bruh. Pas un jeu que... Ah, lequel je joue Valorant. Bah, c'est un multijoueur, genre de Call of Duty, Fortnite, Apex, un truc comme ça, toi. Oh, ouais. Battle Royale, quoi. Il y a souvent les jeux gratuits, comme ça, c'est ça, c'est du 5 contre 5, voilà. Du machin comme ça. Ouais, c'est vraiment pas... un jeu que j'aime pas. Non, c'est pas du tout... Ah, moi non plus, les jeux Battle Royale, je me souviens tellement à... Quoi, en foot, je peux faire encore foire 10 fois Tomb Raider. Ça. Ouais, pour ce truc là, on va faire un café. 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 Est-ce que ça va aller? Oui, j'ai juste besoin de me reposer une minute. Hein. Bonne nuit, ma puce. Très bien, ne bougez pas. Je pense qu'on joue au Final Fantasy 14 en ligne. J'ai jamais tâté un seul Final Fantasy. Ah ouais, moi aussi, moi je vais tâter. Il y en avait qu'un. Moi je le conseille, mais. Ouais. Jamais tenté. Oh, je pense qu'on peut. Croisette, deux canons, un canon à la maquette rouge, un deuxième. Rouge, un deuxième. Ça reste combien de temps à vivre? Alors, ça y est, je vais y passer. Ouais, ça fera des vacances. Méchant. Mais non, réaliste. Ah oui, tu me dis qu'on a le droit. Toi, t'aimes... Mais moi, t'aimes bien rouler avec des triples remorques. Ouais, mais là, je sais pas si je pourrais. Pourquoi? Faudrait que je voie si mon mode, il y a encore. Non, 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 mais le mode que je t'ai dit de prendre. Dedans, il y a une triple remorque conteneur.
Elle est container. Ouais, elle est super maniable. Ah, moi c'est une triple remorque mâchée. Ah non, ça c'est une container. Ah, ça peut être marrant. C'est en plus, elles sont plus petites, donc... Ouais, franchement, elle est plus petite. Ça peut plus être des trois remorques, tu sais, style américaine. Franchement, elle c'est hyper maniable en plus. Bah là, j'essaie de finir vite fait Dark Souls. Enfin, si tu veux, je peux le finir, là, le jeu Dark Souls. Hein. Là, je vais au boss. C'est bon, j'ai fini le jeu. Hein. Mais... Ah, mais c'est la canne, elle veut que le mois prochain, on fasse 3 millions de kilomètres. Non, je veux qu'on soit dans le top 3 le mois prochain. Top 3 ? Ouais. C'est en mois d'août ? Ouais, on a déjà été dans le top 3, on a déjà été. Ah bah, tu me diras... Bah, Dark Souls, je pense que j'aurais fini d'ici là. Donc ouais, je pourrais peut-être... tout le mois d'août, essayer de me coller dessus. Mais je savais pas. Ce matin, elle s'est piqué à la fourmi. C'est pour ça. On a fumé 2-3. Ou alors, elle a consommé les œufs. Je sais pas. Les larves, plutôt, je veux dire. Ouais, les larves, ouais. Là, on a fusion. Oh, il y en a, ah, c'est des larves, il y en a, c'est des cocons. Ça dépend des espèces. Ah, cocon, je. T'inquiète, elle arrive. Bon, il y en a une, c'est quoi ça? Ah, t'as le malheur de critiquer ça ou quoi? C'est. Elle te remet sur le droit chemin. Ah, ouais, non, direct, c'est comme ça. En plus, bientôt, il va y avoir des africaines. Hein. Bon, vie, hein. J'en ai des africaines. C'est laquelle autre que tu voulais? Ça, 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 ah, c'est une messeur. Ça s'appelle encore. C'est une messeur, c'est une africaine, mais c'est plus vraiment non. Je vais revenir dessus. Connexion issue. Céphalote. 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 Ah. Elle est toute rouge, elle est bien grosse. Qu'est-ce qui se passe ? Coûte 500 euros quoi. Mais ce qui paraît, les meilleurs en fourmis, c'était les colombiennes. Qu'est-ce qu'il va lâcher, lui ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas encore lâcher ? Bon, si tu les fumes, c'est les meilleurs. Une bonne colombienne. Ouais, le goût, je pense pas qu'il va être top, hein. Faut essayer. Oh. Non, non, merci. Je porte mon panne d'essence. Ça fait 3 fois que je porte mon panne d'essence aujourd'hui. Vraiment que j'achète un réservoir du gros. Hein. Oh, j'en ai déjà des africaines. Africaine. Ah bah c'est celle-là qui disait que des fois dans la nuit. Ouais, c'est ça dans la nuit que l'entend. Saga Africa. Les Australiennes, ah, là c'est mieux. C'est en pause. Le loup il va manger Madame Cal. Il doit être en pause jusqu'au mois de septembre. Ah voilà, il a mangé Madame Cal le loup. Comme j'ai une carte, c'est l'idéal. Oh, chacun sa passion, hein, tu sais. Oui. Oui, c'est sûr. Ah, je connais un pote, c'est un collectionneur de string. Hein. Pourquoi pas plutôt toi ? Hein ? Non, 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 tu rigoles, si ma femme met des strings, tu vois plus rien. C'est l'autre qu'elle les avale alors. Là. Bien les collectionneurs de timbres. Oh, il y a beaucoup des collectionneurs de timbres. Les timbristes, on appelle ça. Des vieilles cartes postales aussi. On appelle ça des timbrés, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, mais tu collectionnes tout ce que tu veux. Ma belle-mère, c'est les petits dés à coudre que tu trouves dans les villes. La grand-mère, c'est des chouettes. C'est beau, non, moi, j'ai jamais, ça m'a jamais attiré les collègues. Déjà,
pour la poussière. Déjà, les fourmis que j'ai là, elles commencent à me saouler parce qu'elles prennent la poussière. S'ils attendent encore une fondation, Urkelianus, c'est une des plus grandes fourmis aussi d'Europe. Elles sont très belles, mais le gars ne va pas nous envoyer cette semaine parce que, à cause des chaleurs. Ah bah oui, les coups de la peau. On m'a demandé si je pouvais le renvoyer la semaine prochaine. Je dis, bah oui, moi je préfère avoir une, la fondation en bonne santé. Que... C'est les gros chaleurs qui m'amènent. Mais ils te les amènent dans un truc réfrigéré. Je veux dire, elles sont fraîches quand elles arrivent. Non. Elles supportent les chaleurs, la chaleur, hein, jusqu'à allez, une trentaine de degrés. Mmh. Mais au-delà. Au-delà de 30 degrés, c'est... Mais il envoie un expéditeur spécial pour les faire. Non, ils envoient pas la poste. J'ai vu comme certains traitent les colis, c'est pour ça. Ils envoient pas la poste, ils protègent bien le colis. Quand il y en a qui sont consciencieux, bien évidemment. Ouais. Et voilà. Mais sinon, il y en a qui n'en ont rien à faire. J'ai eu pas mal de blagues comme ça, que les fourmis elles arrivaient noyées parce qu'il y avait mis du coton dans le cube. Ah, je parais pas. Et ça se dit livreur, quoi. Non, mais ça coûte du fait de les emballer, hein. Ouais, les amants l'emballer, c'est ce que tu disais. Les livreurs, hein. Oh, crac. Ouais, mais après, ils devaient rouler quand même un peu brutalement, non ? Quand même, pour en arriver là. Oh, bah oui, ils ont pas soin des colis, ça, c'est certain. Oh, tu sais, tu regardes des vidéos et les colis, ouais, ils respectent rien. Pas mal de mauvaises comme ça. Donc maintenant ben, j'ai mes éleveurs attitrés et donc je fais appel à eux. Donc, j'ai besoin d'une espèce. Moi je sais que qu'elles arriveront en bonne santé. Bah voilà, c'est sûr que voilà. Et puis ce sont vraiment des passionnés. Et puis ils me font des petits cadeaux aussi. Ah, c'est ça qui est bien. Ah ouais, les bon, après quand on est bon client et qu'on te connaît bien. Oui, ils me donnent des coloniaux, des fondations en plus. Quoi. C'est comme moi, YouVap là, au truc de VAP, vu que je suis un bon client, ils me connaissent bien. Des fois, ils m'offrent des VAP gratos ou des liquides gratuits. Ah ouais, carrément des VAP. Ouais, celle que j'ai là, celle-là, ils me l'ont offerte celle-là. Ah bon ? C'est bien ça ? C'est vraiment. C'est chez qui que tu vas ? YouVap. YouVap ? Un qui est très bien aussi, c'est Arsène Valentin. Il non, est vraiment des prix démocratiques. Moi j'achetais beaucoup chez lui avant, mais bon, le fait qu'ils ne peuvent plus livrer en Belgique. Voilà quoi. Sauf que si je voulais, je pourrais faire livrer à la frontière, mais il y en a une qui ne serait pas d'accord si j'achète encore des autres. Ah, j'en ai tellement. Mais j'aimerais bien m'acheter. Des vapes faites artisanalement. Ah ouais. Ah, elles sont pas belles celles-là. Style steampunk. Ah bah oui, un tube steampunk. Ah ouais. Et sur les marchés, tu trouves pas des genre comme ça 60 balles. Non, les trucs comme ça sur les marchés, tu non. trouves pas. Non. 160 balles, ça m'odeur allemand. Ah ouais, quand même. Oh, mais je me suis arrangé avec Cal. Bon, je me suis trompé. Ah, on va tout droit, moi. Tu vas tout droit, toi ? Oh, bah. Je rigole là. C'est ça que je m'étais arrangé avec Cal pour l'envoyer chez lui, éventuellement. Mm. Et qu'il me la renvoie en Belgique. Quoi. Parce qu'ils ne peuvent plus livrer sur la Belgique les vapes et tout. C'est bizarre. Non, mais c'est parce que... C'est la Belgique qui interdit. Ouais. Je vous ai dit que si vous voulez, vous pouvez tester aussi. J'aime bien. Et ça, il testera le méca. Il connaît pas le méca ? Non, il connaît pas le méca, il ne va que sur de l'électro. Ah, j'aime bien le méca. Bon, l'inconvénient c'est que les accus se déchargent vite. Ah, c'est pour ça que moi j'ai un port de pile à 4.
Oh, c'est une électro que tu as là. J'ai une méca aussi. Avec 4 accus ? Non, c'est un port. C'est pour transporter les piles. Ah oui, oui, les petites boîtes, oui, oui, ça j'en ai. Non, c'est pas des petites boîtes, moi, c'est un truc en... Je sais même pas ce que c'est comme matière. Je sais pas si c'est du plastique ou quoi. Ah oui, en genre de silicone, comme ça. Ouais, il est marqué Europe dessus. Enfin... Ouais, je vois. Parce que c'est sûr, pour transporter des piles comme ça, dans un sac à dos... Surtout si t'as des rails ou des choses comme ça, ça... Ah mais Julie, pourquoi j'avance pas, j'ai plus d'essence. Là, ça va pas être bon sinon. Ah non, il y en a qui ont eu beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est parce qu'ils mettaient leur accu dans les poches avec les clés ou les... Donc ça prenait feu, ça... Ça explose. Ouais, ça explose. Hein. Bon, voilà. Moi j'ai jamais eu de problème depuis que je bats, parce que j'ai toujours fait super gaffe, donc... Et puis le méca aussi c'est dangereux, hein. faut connaître la loi d'eau, mais on peut utiliser le méca. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Quand on prend les risques, après on évite de les faire. Bah il faut éviter de faire des résistances trop basses quoi. Tu fais des résistances... Ah non là, la mienne. 0,50, ça va quoi. Non ça va. Les résistances en dessous de 0,10, là ça devient dangereux. Moi je suis à 0,20 là. 0,20 ? Ouais. Ça va. Ça passe dans le méca. Je veux dire, ça pas de problème. Oh, t'es loin de moi, Jean-René. Je diminue, hein. Ici, j'ai un tube méca que j'ai vécu faire graver par un artisan. J'ai mis le logo que je voulais dessus. J'ai mis tout un texte avec un lettrage elfique. Bah, je l'utilise rarement, c'est juste une pièce de collection en fait. Mais j'aime bien de vaper de temps en temps dessus. Ouais, les pièces précaires, c'est un budget quand même. Oh bah lui, j'aurais payé une 150aine d'euros aussi. Ah bah ma femme va lui dire merci, je me sois fait opérer alors. Tu m'étonnes parce que avant de me faire opérer, j'avais commencé à fumer ça. J'ai commencé là-dessus. Donc d'un côté, ça a sauvé mon porte-monnaie. Parce que là maintenant, j'achète des jeux à la place, c'est pas mieux. Non, elle veut plus que j'achète des jeux. Il ouais, ben, y a tellement de sorts. Ouais. À droite, oui. Il y a vraiment de belles boxes. Hein. Tout pour attirer le regard, hein, même sur les liquides que tu achètes. Hein. Les liquides, tu les fais toi-même là maintenant? Moi, je les fais moi-même. Les liquides. Et toi, Rimbaud, tu les achètes? Ça m'arrive de les faire quand j'ai envie. Quand ça me pète, en fait, je le fais. Mais sinon, on va la parler quand j'achète. J'avais fait justement un die de 1 litre de gourmand. Ça m'a tellement écœuré, j'ai fait, c'est bon. 1 litre de gourmand. Ah ouais, non. Tu vas, je vais appeler que ça, jusqu'au moment. Ouais, mais quand tu vas, faut varier. Ouais, je pense que c'est dégueu. Moi, je varie, hein, j'ai plusieurs box et je varie les goûts. Hein. Sinon, après, bah, t'attrapes aussi la gueule. Si t'as un manque de goût, quoi, t'as à force de vaper la même chose, t'as plus de goût. Quoi. Ouais, moi, le collègue, quand je vapais, j'en avais plein. J'avais une dizaine de goûts différents. Si tu savais, Macab, le nombre de bouteilles que j'ai. J'ai même 30 litres de base, quoi. Ah ouais. Une traficateuse. Et des petites bouteilles pour faire mes mélanges, pour faire mes recettes. J'en ai bien 200-300. C'est un magasin chez moi. Hein. Madame Cal, vous effacerez ça du live. Hein. D'accord. Bah, que tu trafiques.
Non, mais, j'ai fait mes réserves, hein, étant donné que tout allait être interdit en Belgique, j'ai fait mes réserves. Hein. Ah, c'est carrément interdit la vape en Belgique. Ben, ils sont aussi dans les magasins, mais eux, ils en profitent avec leur prix. Hein, donc, Ah, bah oui, d'accord, c'est interdit à l'exportation, quoi. Ouais, voilà. Ah, mais mais dans les magasins, ils peuvent pas vendre non plus n'importe quoi. Ils peuvent pas vendre des résistants trop bas. Étant donné qu'ils ont perdu sur le prix des clopes, ils vendent sur autre chose. En France, ça va devenir pareil à force, tu verras. Je crois qu'en France, en plus, ils ont décidé de repenser. Je crois qu'ils vont augmenter encore les clopes. Ouais, ouais, ça va augmenter, ouais. Alors les gens, ils se basent là-dessus. Bon, ils vont trouver une façon, tu verras, de... Quoi ? Préparez-toi, écriture rouge. Moi, écriture rouge ? Oui, bien, ça paraît le nom. Il ferait mieux de... Ah, je veux dire, ils ont des écritures rouges comme moi, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ah, oui, ok. Mais... Ouais, faudrait que tu la mettes aussi, l'écriture rouge, mais comment t'expliquer ? Tu fais un copier-coller ? Ouais, je vais faire un copier-coller. Puis c'est utiliser le tab pour mettre les écritures... Oui ? Comment ? J'ai pas compris. Oui ? Arrivé, moi, ça y est, c'est où besoin de couleur, c'est tout. Et je te donne le texte à mettre. Tu fais un copier-coller. Et après, tu lui fais un live sur Discord. Ah, je sais pas si ça marche sur le Discord. Ah oui, je crois que ça marche pas sur le bas. Le copier-coller ? Ouais. Même en faisant CTRLV ? Non, ça va pas. Non, ouais, il marche pas sur les dames. Ah, je dois te dire les lettres en fait. Les lettres, tu sais les reconnaître, les lettres de l'alphabet. Oui, c'est A, B, C, D, E, S, T. Après, c'est pas du tout les lettres en face. D'accord, je vais t'apprendre l'alphabet. A, B, C, D, E, S. J'avais fait un atelier comme ça avec des personnes handicapées. Et elle voulait à tout prix apprendre à lire et à écrire. Ah ben, je peux te dire que j'en avais, hein, des petits gars qui venaient. Non, bah, de toute façon, et ils se débrouillaient bien, je leur donnais des devoirs et tout, ils étaient heureux. Quoi, je suis heureux de savoir qu'ils savaient écrire leur prénom, par exemple. Mmh. C'est anodin pour nous, mais pour eux, c'est tellement important. Ouais. On me rigolait au nez quand je disais que je voulais faire un atelier futur lecture, et ça marchait du tonnerre, quoi. Mais quelqu'un en privé, voit, si t'as fait Piki, passe sur le live, dis bonjour à la chef sur le live à moi. Tu veux que je dise bonjour ? Pas toi, ouais. Pas toi. Ah si, c'est toi. Un mec de ce Discord en privé. Canard. Mon point. Tu veux que j'aille sur ton live, tu vois ? Ah, voilà, sur le live. Vas-y, on va y aller. Les filles, c'est à faire bien sur le live. La chef, elle veut parler avec toi. Ah bon ? Ah, disons. Il est où ? Il est sur quel... Ta femme, ATS. Alors, tu veux que je regarde où ? Enfin... Sur Twitch ? T'es pas en live. Ah non, il est pas en live. T'es pas en live, là. Non, non, t'es déconnecté. Ouais. Non, non, sur l'autre live. Ah ben bah, moi j'en ai qu'un, s'il y en a deux. Oui, bah, j'ai aucun des deux, moi j'ai au Grim, il est pas en live, et puis René, bon, c'est pas pour moi. Ah là, moi j'en ai qu'un, moi. Et quel que t'as fait au Grim ? Arrête-toi. 88. Non, ouais, t'inquiète, de toute façon je livre là. Je suis arrivé au point de livrement. De livraison.
encore à bloquer la chaîne. Tout un joli fort, un pété à la chaîne à vie. Non, il n'y a pas, t'es pas en live. Hein. Attends, ça vient. Ah, en live. Il n'y a aucune des chaînes en live. Non, je l'ai pas, la Kena, tu l'as pas non plus, non? Il n'est pas en live. Oui, moi je l'ai deux. J'ai les deux. Enfin, là je ne suis pas sur son live. Non, ah, mais c'est les deux, mais j'en ai aucun qui est en live. Ah, oh, bah c'est que t'es pas en live alors. Si, en live. C'est moi qui ai un blême. Pas le point rouge. Attends, c'est toi. C'est un système. Moi aussi. Alors, je suis en ligne. Je suis là, tu es là, green. Putain, je vois pas ça. Moi aussi, il est en live. Jean-René. Oui, Jean-René. Pourquoi je n'arrive pas à Jean-René? Oui, il est en live. Oh mon dieu. Faut que la Maxar. La thèse 2. Et hop, os. La meilleure os. En live, on va voilà. Ouais. Je vois pas. Chef. Moi, je te vois, moi. Ouais. Ah, bon, quoi. Moi, la fille. Je t'aide. Tu as livré? Allez, on finit. Bah, là, il a pas compté, ton truc book est ouvert. Allez, attends, t'avais pas appuyé. Ah, t'avais pas appuyé, d'accord. Oh, moi pas. T'as pas dessus. T'en as pas, c'est comme tu as même pas bloqué. À quoi bloquer la chaîne? Qu'est-ce qui a bloqué la chaîne? Bah écoute, moi je suis sur ta chaîne. Moi. C'est bizarre que moi j'y suis plus. Moi j'ai toutes les chaînes, je suis déconné, j'ai fait il y a pas longtemps. Même en mode recherche, j'arrive pas à trouver. Il est dans tes amis? Ah oui. J'ai Agrim, Agram. C'est pas où? Et quand je suis en Jean-René, il me met Jean-René. Jean-René avec un J au bout. Hein. Bah ouais, mais. Ouais, je... Je sais pas, mais je trouve pas dans le mode recherche qui est même. Ah non, je peux te rejoindre, je suis encore dessus. Là. Je suis encore dessus. Un point rouge à côté.
Ah non, le point rouge, ça ne le voit pas. Ah, elle est là, c'est ça, bloqué. Qui bloque ta scène? Parce que ça fait. Et pourquoi il... Enfin, il faut bloquer ta scène, lui. Un bloc, un chèque, quoi? Voilà. Je suis pas un vrai emmerdeur comme ça. Un twist, un email. Laisse tomber, Jean-René. C'est incroyable, ils ont que ça à faire, franchement. C'est quoi ce petit con? Un petit con, un vrai enculé, mais quoi ça? Un vrai enculé, désolé, d'autres lives, un vrai enculé. Non, mais ça va. Un cassé, un carreau, un attend un petit peu à maman. Voilà. Un vrai enculé. Oui, bon, ça va, on a compris, Jean-René. Bon. Allez, c'est mon cul. Désolé, hein. Mesdames et messieurs. C'est tout. On pourra faire un live tranquille. Je dois pas. Ah, de Romain. Non. Attends, je vais regarder ce que j'ai. Dégage. Ouais, non, prends un autre, je sais pas. Papa. Non. Ça. Okay. Non. Ça. Attends, fais voir là. Ouais, j'ai ça. Je peux prendre. Tu as envie de faire les lives. La main levante. Voyez ici à chercher. À chercher ici. Tu dois chercher là? Bah, ouais. Je vais t'attendre, comme ça tu viens avec moi après. Un autre joueur peut te bloquer ta chaîne? C'est un modo qui bloque ta chaîne, non? Quoi? Je sais pas comment ça va. Ah, attends, la tête des plombs, moi, vous arrivez là, il faut qu'elle cherche une chérie, elle trouve pas. Tu allez. Cherches une chérie, tu trouves pas, t'es malheureux alors. Elle cherche une chérie, elle fait une chaîne YouTube, aussi une chaîne Twitch, aussi avant X. Aussi un plus cher. Ouais, plus cher, c'est ce que j'ai compris. Ah, en plus. Bon, pour que ça va reparler, hein. Est-ce que tu vas, Jean-René? Attends là. Attends, je reviens. Merde, tais-toi. Oh merde. Oh, j'ai loupé la sortie. Oh bah mince. Ah, ça c'est ballot. Bon, ça va, je vais plus loin. Ah mais j'ai perdu mes conteneurs, mort de rire. Roule hein, c'est bon, on casse pas les bonbons hein. Les bonbons, on les casse pas mes bonbons. Casse pas les bonbons, vas-y. Bouge de là. Ah,
bientôt. On est en train de le remorquer. Oh la belle. Ah, beau canon. Tu es là? Oui. Je vois de la fumée qui vient des ruines. Est-ce que tout va bien? Pourquoi, Lucas? Quel est toi? C'est un véritable massacre. Toi, qui? Les hommes. Je sais pas pourquoi. J'ai été obligée d'en tuer plusieurs. Je n'avais pas le choix. Ça a dû être difficile pour toi. C'est terrifiant à quel point c'est facile. Ross, il faut absolument prévenir les autres. Ne t'en fais pas pour eux. Pour l'instant, tu dois trouver un moyen de me rejoindre, Lara. Je vais essayer. Il y en a qui se sont calmés sur la simu, hein, quand même, les joueurs. C'est vrai? Ouais. Mmh. Bah, faut dire que le Covid, on a décimé pas mal. Hein. L'avantage avec les cauchemars, c'est que tout le temps... Il y a un village à lui et première maison à lui. Mais cette île... C'est comme un cauchemar dont on ne s'éveille pas. Ne dis pas des choses comme ça. Ah, vraiment... patience, vraiment. Je ne pense pas, Lara. Le retour du live de Madame Khan, ça fait bizarre. J'ai coupé le son. Le reste de l'équipage. J'espère. Un gentil, ah non, non, elle a une très jolie voix, Madame Khan. Hein. Bah ouais. Merci. Ça change de son mari. C'est sûr, j'espère. Ah ouais, grave. Hein. Déjà, il y a plus de cheveux. Hein. Ah oui. Oh c'est bien ça, ton pompe tout, hein. Ouais, j'aurais dit. On va défendre les femmes. C'est bien. C'est bien. Mais un bon chevalier. Non, ça c'est le cheval. Non, ça c'est plutôt moi, ça. C'est une poignée de cheval. Non, lui c'est plutôt la licorne. Ah bah non, Madame Khan elle est morte maintenant. Ouais. Oh putain! Raté! Ah, j'ai le sac qui coince! Je vais pas sortir à toi, j'ai pas besoin de descendre.
Pour la promote, c'est plus joli. De quoi elle a dit quoi? On roule sur la promode. Désolé, pas promote. Ah, mais y'a pas de soucis, hein, tu joues. Bah oui. J'ai vu. T'as déjà roulé aujourd'hui, Jean? Oui, j'ai roulé. Ah oui, ça voit pas. Oui, j'ai pas été voir, j'irai voir tout à l'heure. Le chef il surveille. C'est un bon chauffeur. Hein. Mmh. Ça soulève. Ça. On va se mettre sur le côté. Ouais, marche pas le point rouge, arrête. Arrêtez. Vous deux, allez de ce côté. Oh, désolé. Oh. Qu'on a bloqué ta chaîne parce que tu dis beaucoup de. Des mots qu'il ne faut pas, Jean-René. Tu crois? Ils sont assez stricts apparemment là-dessus. Ouais. Ah,
va faire clic. Vite, vite. Regarde le PC là, la touche là. Les freins. Ah, freins dans les canyons, hein. Non mais je regarde madame qu'elle jouait en même temps et après j'oublie que je roule aussi. Non, moi elle a pas fait la phrase, elle a pas fait la phrase de cas, donc elle a pas dit c'est tendu. Hein. Là c'est tendu quand même. Hein. Un peu ouais. Oh ça va mettre tu live là, c'est bon. Mais l'autre, elle est tuée. Fini les vacances pour toi. Ah ouais, putain, là, c'était un mois la maison. Ça va. Galère. Déjà, quand elle avait les côtés de Covid, elle est restée 2 mois, je voulais l'acheter d'heure, je n'ai pas le droit. Ah. Donc je l'ai pas fait pour éviter l'amende. Voilà. Tiens, quand tu vois qu'en Italie, il y a des endroits en Italie, l'amende pour sortir sur 100 max, c'est 1000 euros. Ah ouais, mais c'est la mafia la bouche. On va pas mettre le masque, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu aimes ta famille, tu mets le masque. Elle est passée, on dit bravo madame Cal. L'écran est noir. Est prêt. Ah, tu as appuyé le courant. Ouais, l'écran est noir. Attends, tu veux que je me mette sur le côté? Ouais, j'ai des lumières sur mon camion, c'est cool ça. Regarde, elle joue quand même mieux que Cal, hein, quand tu regardes. Ah ouais. Cal à côté, il est tout bien. Ross, j'arrive. Oh, mon saoulé, laisse-moi ça. Dieu merci, tu es vivant. Laisse tomber pour ce soir. Joue à ton camion et laisse tomber ça pour ce soir. Des calmants, des antiseptiques. Tout était dans le sac.
viens, ton copain, lui. Oscar. Heureusement qu'il s'est pas fait de Drake Ball parce que ce serait toi et lui, il aurait que ça. Qu'est-ce que tu allais faire? Ah ouais, d'accord, merde. Allez, alors, là. Ah d'accord, ouais, ban. En fait, c'est pas qui. Je change de remorque, ça me stresse. Mets-moi modo sur ton autre chaîne aussi. Ah, attends. Attends, je vais me mettre sur le côté et je vais aller sur ton autre chaîne et tu me mets modo parce que j'ai encore des petits merdes. Ah, parce que c'est là. Tu as Kena, elle a le kick facile alors, vas-y. Oui, j'en ai banni tout à l'heure. Kena, c'est un rainbow. Kena, c'est la reine du ban. C'est peut-être à cause de Kena en fait quand j'étais banni. Non, mais avant, je travaillais chez Banette, c'est pour ça. Banette. Et c'était la blague du soir. Ouais, elle l'a trouvée celle-là. Ouais, mais non, mais j'ai plus. Alors, Non. Quand on prend pas, il joue plus. Et commence à m'énerver. J'ai rien dit. Ah, PC, un peu. Arrêtez à fatiguer. T'as pensé pour toi. Envoie un message sur ton live, comme ça tu peux me mettre modo. Ouais, vas-y. Ouais. Fayo, va. Sinon, vieux ronchon, il va bien. Qui? Quoi? Non, vieux ronchon. Ah, vieux ronchon. Athéna, Mac, TS2, s'il te plaît, je suis le LED. Je vais te mettre. Après, je Modo. Je comprends pas ce que tu veux, Jean-René. Athéna, TS2. Mac, TS2, s'il te plaît, Athéna. Et où est-ce que je te le mets, ETS2? Sur Discord? Sur le live. Sur le live? Je ne vois pas aussi, toi. ETS2. Voilà. Waouh, quel nom. Attends toi, chef. Oh.
trouvé. Ouf. Bien faire, toi, en fait. Hein? Tu restes trop bien faire. 600. T'es sur la promo? Ouais. Je joue. Qui c'est que j'utilise mon truc, mais. Parce que sur la Sinus, si je mets une triple euro, je suis capable de me faire enlever, mais de me faire mal. Mmh. Au moins, ici, t'es tranquille. Il y a des endroits où tu crois croiser plus de monde qu'ailleurs, c'est certains endroits. Mmh. Plus du côté de la Norvège, tu rentres par là-bas, tu crois plus de monde. Ouais, ils doivent être tous à skieurs ou un truc comme ça, je crois. Ils aiment le saumon, le saumon de Norvège. Ah, mais moi aussi, hein. Ah bon, je veux pas faire 4000 minutes. Ouais, j'en ai encore croisé de la TBL, moi, hier. Ouais. En Islande, ouais. Ouais, mais ils sont tout le temps là-bas. Je sais pas comment changer d'arme. J'ai pas encore le grappin. Là, on va faire un défi. On va demander à Cal qu'il fasse 500 mètres avec une triple remorque et en marche arrière. Mais il peut le faire. On vendrait des peintures. Ça a sonné. C'est bizarre, les femmes, quand même. C'est le club Dorothée. Ah, salut. Non, lui, ça connaît Goldorak. Ouais. Lui, ça a retrouvé ses doudounes. Lui. Pourquoi ils ont deux? Là, je vais me faire coincer le gosse. Ben je regarde sur le table, je vois pas. Un bois rouge, ouais.
deux. Il a réussi à déban les deux, c'est fini. C'est méchant. Fayot. Et qu'un fâche. Et bonne route, canyonneur. Et français. Oh, le Fayot. Un chauffeur. Chauffeur. D'accord, grec, rouge. À League of Legends. Kung Fu Panda. Ouais, ce jeu, je sais pas quoi non plus. Ah, mais il sait qu'il a perdu, de toute façon, c'est pour ça, il peut rien faire. Il a plus d'excuses, il a perdu. Bon bah Kenna, le volant il est pour moi. Hein. Et voilà. On va y dire le dernier jour. Je sais pas comment on va défoncer ça. Ok. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là ? Mais je l'ai pas. Ah non. Non. Ça va sonner. Allez hop, on coupe le rond-point. Hop, c'est... Un bot à moi.
Oui, j'ai entendu. Moi, toi, et puis d'autres, pas sûr. Pas de micro, c'est leur roulis. Oh, j'ai un autre PC. Allez. Après. Éteins l'autre PC, elle roule. Les chiffres. T'as des coordonnées? Éteins l'autre PC. C'est toi, débrouille à la base des gens. L'autre PC, éteins. Tu sais pas. Et je sais pas rouler et bannir les gens en même temps. Hein. Ah bah okay. Non, j'ai pas de PC moi. C'est pareil. Éteins le PC moi. Ouais. Et ouais. 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 C'est moi qui ai vidéo. S'il y en a un qui ennuie, ben je me mets sur le côté et je le banne. Il y a Pinky qui est modo aussi, je crois. Sur la première chaîne. Ah la première, il est sur la deuxième. Ah bah oui, il est sur la première chaîne, ouais. Ah il est sur Grim. Ah oui, ouais, c'est le cam. Ouais, le cam. Elle voit le point rouge, elle crie le cam. Après arriver. Un chef. Arrivé. Ouais. T'es content de rouler avec toi? Oui, je suis contente que tu roules avec moi. J'aime bien de rouler avec toi, Jean-René. Ouais, t'as ça, les bateaux sur l'eau, c'est bizarre. Thank you.
Comment reprendre une chaîne Twitch? C'est bien, ce n'est pas de chaîne Twitch, mais je ne saurais pas te dire. Ouais, moi non plus. Est-ce qu'avant, on dit que quelqu'un... Ah, donc tu dois te lever tôt. Elle a quel âge, ta grande sœur? Elle a mouru. Elle a quel âge, ta grande sœur? Ta grande sœur, elle a mouru, attends. 35. Oui, mais tu l'as déjà montré. Hein. La photo? Ouais, tu l'as déjà montré. Toi, sur Facebook. Et voilà. Ça fait un, deux, trois. Je voyage. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Blablabla blablabla. Aïe. Ça y est. Bon, il faut que je rapporte ça à Ross. J'ai calé et je suis pas calé. Ah, la reine du loup. Thank you.
pas qu'il nous a fait pour lui montrer pas de blanc. Je le passe pas. Bravo. Il était temps. Tout là-haut, là-haut. Attention, on inspire, on expire à fumer. Agrochement de mouche, quand tu expires à fumer, s'il te plaît. Ah non, pas la même chose.
J'ai pas mal bossé comme service de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute. Lara. Il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'ai eu peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Et j'ai mais tu ne le sais pas. Je ne réponds plus. C'est ça. 350, j'espère. J'espère pour nous que tu arrives. Bon, je serai très bien ces derniers. Mais... Oui, mais c'est très bien. Alors là, on est au port. Donc, on va aller un peu plus loin que le port pour la mission de Mouth Matel. On arrive dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Très direct. Oui, oui. Non, quoi? Les gars, 9%. Heureusement que Ross m'avait préparé. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparé à ça. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Oui, mais il a fini et il prend du sac. Il est en train de m'incapable. Oui, la poisson, le. Voilà. Il est devant politique. Je ne sais plus quand tu es pour sauvegarder. Ouais, mais j'y suis. Non, on va qu'est-ce qu'on a. Oui. Allô? Non. Ok, c'est bon, j'arrête là. Bon, je vais laisser la place à Caladriel. Allô? Je vous dis bonsoir, à bientôt. Bonne nuit, journée. Merci. Demain. À demain. Ah, bonne nuit. Oui, Madame Cal. Demain. À demain. Ouais. Ce Tomb Raider, on va l'avancer. Oh putain, Kat, c'est pas de ça, je crois que c'est encore ta femme. Tu m'as fait peur. Ah oui, c'est sûr, c'est pas du tout le même physique. Heureusement pour moi. Hein. Ah, heureusement pour elle aussi, oui. Pour toi, ça va. Avec des cheveux longs, c'est très bien marrant. Ah, je l'imagine bien, tu sais, en mode. Oh, c'est normal, je suis. Là. Sans, oh, putain. Sans contrefaçon, je suis un garçon. Jamais, hein. Eh, t'as vu ce qui sort, Cal, là? Qu'est-ce qui sort? Ça peut te faire plaisir. Retourner au menu principal. Oui. Ils ont refait le Mafia 1 en, comme les autres. En, ah, le remake. En édition prédéfinitive. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu et je vais là. Je pense que je vais le streamer dans pas longtemps. J'ai des jeux, gros en jeux plus, à finir. Tu vois le 1, tu vois le joueur à la manette. Ouais, ouais, c'est, je vais les refaire les trois, les, enfin les refaire les deux parce que le 3 j'ai jamais fait. Mmh.
Il faut juste que je me regarde un truc là. Je vais remettre. Ils ont les deux, mais ils ont les deux, j'avais le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, 3. Le 2 et le 3, ils m'ont donné les définitions gratos, les deux. Alors pourquoi je vois plus le follower, le new follower? C'est pas ça. C'est celui-là. Moi je suis complètement paumé. Pourquoi il a bougé celui-là? Wow. C'est chiant. Je vois rien. New follower, qu'est-ce qui s'est passé là? On le voit plus. Pourquoi il a bougé comme ça? C'est pas celui-là. Hop. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh putain. Non. On ne voit plus. Faites chier. J'en étais sûr. Ils ont quoi sur ce monde? Ils sont déconnés. Mais ils ont que ça à foutre ou quoi? De quoi? Allez, je te mets ma main coupée que c'est un putain de magicien ou un pur romantien. Ah, un pur romantien. Oh. Mais vous avez quoi dans ce monde à m'envahir? Sans déconner. Au lieu de m'envahir, j'ai besoin d'aide en plus pour buter un dragon. Sérieux? Bon, l'équivalent c'est que si c'est un pur romantien, magicien, ils ont pas de résistance. Ils ont tout foutu dans leur magie. Il faut que je regarde ça. Allez, on va rester là pour le stream de ce soir. À demain, Twitch.